YouTube, comment ça va? On est sur Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Nous sommes à Soldan Essalar, la ville des elfes. Nous avons ouvert le palais, mais nous avons des items dans dans l'inventaire. Je ne sais pas quoi en faire, donc d'abord on va chercher à quoi ils servent. Parce que ça peut rapporter potentiellement de l'XP. Et que l'XP, on aime ça. Oh oui. Alors du coup. Il n'y a rien ici de spécial. Du coup, j'ai une harpe et une corde. Je pense qu'on va d'abord aller voir au palais. C'est peut-être dans le palais que ça sert. Parce que je pense avoir fait tout le reste. Ici, on s'en fout. Prêtre, des mines. Maison de la corne, temple de Rilifan. Ouais, non, je peut-être dans le pensais palais. bien. Si je me souviens, pif. Ça fait moule de temps que j'avais pas fait Baldur's Gate 2. Donc, un petit peu plus d'hésitation que dans le 1. Mais c'est pas grave. On s'en sortira quand même. Et moi, écraser votre sale tête. Hey, salut Mokyuk, bienvenue, merci pour le follow, ça fait plaisir. Du coup, tu as déclenché ce magnifique petit son que j'aime beaucoup. Ici du 1, je crois que les orbes dans le 2, ils disent pas, je suis un peu déçu. Allez, on va se faire le palais. Un arbre. Allons-y. L'arbre semble miroiter quand on regarde fixement. Une aura de magie presque palpable l'entoure. Les noix d'une taille peu courante sont assez tentantes. Vous pouvez en prendre si vous voulez. Je prends les noix. Dès que vous touchez une noisette, vous sentez un choc dans la main et toutes les noisettes tombent à vos pieds. Vous rassemblez toutes les noisettes, ce qui vous permet d'en distinguer deux sortes. Une de petite taille qui refuse absolument de s'ouvrir et une de plus grande taille qui s'ouvre facilement sur une noisette comestible. Je ne perds pas mon pantalon, c'est plutôt crevé. Ça peut pas s'empiler ces saloperies, évidemment. Tiens, Valoche, t'as gagné un objet. Oui. Magnifique son. Oui, le son de l'ogre dans Baldur 1, c'est un de mes préférés. Ouais, mais vous écrasez votre sale tête. Il y a celle-là, il y a. Vous devez vous écraser le nez. Il y a des statues. Ah, allez, voilà les statues de. Où ça sert? Des morceaux de pierre jonchent le sol autour des statues, cette dernière semble endommagée, si vous le désirez, vous pouvez regarder de plus près. La harpe de pierre s'emboîte parfaitement dans les mains de statues, elle bouge à nouveau. Souriante de contentement, elle se met à jouer une douce musique sur la harpe qui vous envoie des frissons le long de la colonne vertébrale sans que vous sachiez pourquoi. Grrrr. Hop, la corne. Vous emboîtez la corne sur les lèvres de la statue et les mains se lèvent pour la tenir en place. Une note puissante retentit. Est-ce que ça aura suffi à libérer? Je crois que ça a libéré les cimes, mais je suis pas sûr. Oui, non. Ah non, ça ouvre le passage. On va sauvegarder là déjà. Parce qu'il me semble qu'on arrive au combat final. Que enfin, puis-je faire pour toi? Un frisson vous parcourt tandis que vous vous avancez vers l'escalier. La sensation vous est familière et vous y reconnaissez le signe de votre âme. Irénicus est tout proche, dans la pièce attenante. Vous hésitez. Vous n'ignorez pas en effet que le combat qui s'annonce pourrait vous être fatal. Cependant, avez-vous réellement le choix? Si votre âme ne vous revient pas, un funeste destin vous attend sans nul doute. Vous vous tournez vers les camarades qui demeurent acquis à votre cause. Peut-être ressentez-vous la nécessité d'éprouver leur loyauté, leur amitié à votre égard, ou de les faire changer d'avis. Imoen, votre sœur, est votre plus fidèle amie, celle qui a tant changé à votre contact. À présent, des cernes marquent son visage, elle sourit néanmoins lorsque vos regards se croisent. Oui, grosse baston. Imoen, tu as donc regagné ton âme. Plus rien désormais ne te contraint à t'exposer encore au péril qui te menace. Ce combat est mien à présent. Irénicus m'a fait du mal aussi, tu sais. Il m'a enfermé dans cet asile. Il s'est servi de moi pour ses expériences et il a pris mon âme en apéritif. Alors je ne vais nulle part. Je suis avec toi jusqu'au bout. Minsk, rôdeur loyal et couvert de cicatrices, toujours prêt à se lancer dans la bataille avec Bou à ses côtés. Vous vous demandez s'il a réellement conscience de l'imminence du combat. Minsk, tu es un valeur guerrier, même si tu n'as pas forcément les deux hémisphères de ton cerveau. Mais rien désormais ne te contraint à livrer bataille et mettre ta vie en péril. Ce combat est le mien à présent. Oh, Minsk, on doit beaucoup à l'assassin de Dinaire. Je suis avec toi. Je n'irai nulle part tant que la botte de la justice ne sera pas fermement imprimée une bonne fois pour toutes sur les fesses du sinistre magicien. Nulle part. Valigar, noble et véhément comique relief.
rôdeur que vous avez sauvé des griffes odieuses des mages cagoulés. Depuis, il se tient toujours près de vous. Irinicus, c'est un mage infiniment puissant, hein, Valigar. Et toi, tu as été un petit peu ridicule pour toute la longueur de ce let's play. Et je sais à quel point votre haine des ensorceleurs de tout poil est féroce. Rien ne vous contraint donc à vous exposer pour moi au péril qui menace. Toutes les magies ne sont pas forcément mauvaises, Fade. Mais Irénicus est pire que n'a jamais été Lavoc, j'en suis convaincu. Je suis fermement décidé à vous aider à arrêter ce fou, quel qu'en soit le prix. Les réponses changent selon tes actions, non, je ne crois pas. Ça dépend juste des compagnons que t'as avec toi. Peut-être de ton alignement, je vais tester. Jaira, farouche et déterminée, Jaira, celle qui se tient près de vous depuis l'origine, ou peu s'en faut. Elle vous connaît bien et a souffert 1000 morts, elle aussi, sous les coups d'Irénicus. Jaira, tu n'ignores pas qu'il me faut regagner mon âme, mais ce combat n'est pas forcément le tien. J'ai promis autrefois de t'aider si ton père adoptif tombait. Cette promesse tient toujours, comme ta noblesse. Je suis à tes côtés si tu veux de moi. Viconia, troublante elfe noire, clair de char et probablement personne qui me tuera à l'avenir. Elle demeure à vos côtés depuis qu'elle a été arrachée aux griffes des fanatiques d'Adkatla. Néanmoins, vous n'ignorez pas qu'elle n'a d'autre maîtresse qu'elle-même. Viconia, rien ne te contraint à rester près de moi. Il faut regagner mon âme, ce combat est donc le mien. Je n'ai guère rencontré de gens qui m'aient épargné depuis que j'ai fui mon pays natal. Tu m'as sauvé la vie à plusieurs reprises. Nous avons combattu et saigné ensemble, et s'il le faut, je donnerai mon dernier souffle pour toi. Enfin, allons-y. Nagbar nous attend. Il n'y a plus rien à ajouter. Sans un mot, vous revenez donc, inflexible, vers l'escalier qui se dresse face à vous. C'est que votre âme attend. Oui. On va re-sauvegarder. On ne sauvegarde jamais. Mettons-nous à l'œuvre. Et je crois que c'est parti. Now it is time to fight. Qui va là? Halt. Qui va là? Vous n'êtes pas. Vous êtes pas là. N'êtes-vous pas l'enfant de Baal? L'enfant que je n'allais être. John, il était fier de vous avoir ravi de pouvoir se vanter de votre assassinat. Il prétendait vous avoir perdu. Il n'est pas parvenu à m'abattre, et je reviens aujourd'hui pour lui faire payer son tribut. Il va morfler. Je suis Elessim, reine de Sildan et Salar. Je suis prisonnière du cœur de l'arbre avec John Ellet, piégée par ses sorts sortilèges maudits. Je ne peux protéger mon image plus avant. John Ellet, celui que vous appelez Irénicus, il tire sa puissance de l'arbre de vie. Des parasites campés sur l'arbre se chargent de lui transmettre cette énergie. Et des parasites? De quelle espèce de créature s'agit-il? J'ignore de quelle espèce de parasite il s'agit, toujours est-il que c'est là la dépravation incarnée. Ils fournissent à John Lett la puissance nécessaire et cette cage me retient prisonnière. Que vous soyez ici pour sauver mon peuple ou pour vous venger de celui qui vous a causé du tort peut me chaud. Une seule chose m'importe, que les parasites qui ont élu domicile sur l'arbre de vie soient exterminés, je commence à bafouiller comme pas possible. Chargez-vous de cette tâche, je pourrai ensuite rompre les liens qui unissent John à l'arbre. Alors seulement vous serez en mesure de vous débarrasser de lui. Je crois bien qu'il s'est chargé de protéger les parasites. Je ne sais pas. Hâtez-vous. Comment atteindre les parasites? Je ne vois pas comment me frayer un chemin parmi les ramures. Les branches s'enchevêtrent en effet. Servez-vous des noisettes, celles qu'on trouve dans les jardins du palais. Elles engendreront à leur tour de nouvelles branches sur lesquelles vous pourrez passer. Faites vite, enfant de Baal. Si John épuise l'arbre de vie, Sul'dan et Salar tout entière est condamné. Et John obtiendra le pouvoir auquel il aspire tant. Je vous en prie, vous devez l'arrêter dans son entreprise. Allez voilà, on doit l'arrêter dans son reprise. Encore une fois, l'enfant de Baal est l'ennemi du petit patronat. Alors... Cet escalier effondré ne mène nulle part, très bien. Ici, rien. Une des plus petites noisettes de votre sac commence à grossir. Vous la placez à votre pied. Elle croît une vitesse alarmante en se combinant l'arbre de vie qui grandit pour faire un chemin qui est jusqu'à la branche la plus éloignée. Vous pouvez maintenant passer. Ok, donc ça c'est un des parasites dégueulasses. Et je crois que les gardiens sont assez vénères, mais je sais plus ce que c'est donc on va le taper. Et on verra. Cette chose ressemble à rien que vous ayez vu. Quatre appendices comme des serpents jaillissent de son corps énorme et s'enfoncent dans les branches de l'arbre de vie. Le parasite draine la vie même de l'arbre. Vous pouvez l'attaquer si vous le désirez. Ok, des élémentaires de terre. Valigar, je compte sur toi pour nous faire encore un petit peu rigoler. Avec ses défenses abattues, le parasite est facilement éliminé. Et pouf. En voilà. Je crois qu'il y en a trois.
Je doute. Et après le troisième, évidemment, on a John. On a Johnny. Est-ce que j'ai pensé à me reposer dans le combat? C'est quand même un petit peu important. Je ne sers que la nature. Oui. Je ne crois pas. C'est mieux. C'est entendu. Mais c'est le boss de fin, c'est urgent. Oui, attendez, d'abord je fais quand même une petite sieste, hein, yo. On se calme. Hein. Salut Johnny! Salut les sims! Wesh la preuve! Des élémentaires d'air! Nul ne me résiste! Puis du coup il nous reste un parasite je crois. Et puis après on va devoir se taper la feu. Il est là. Du coup je pense qu'on va se préparer. On va se lancer une brouette de sorts. On va taper le bousin. Vous avez besoin de quelque chose? Je suis prête. Toi tu vas lancer ton quantique tout de suite, ça nous fera gagner un petit peu de temps. Jaja, tu vas lancer ton blessing. T'as le droit de les placer déjà fait, bim. Voilà, on a deux sorciers. Tout le monde boosté à donf. Ça devrait être pas mal. Pif paf pouf. Clic crac, on passe à l'attaque. Protection contre le mal. Toi, tu vas te lancer une immunité au feu. Oui. Petit peu de pierre pour Ibrahim. Je vous aiderai de mon mieux. Chaque hamster. Je suis pas sûr que le pot d'écorce vous fasse grand chose, mais bon. On peut le faire, on le fait. Harmony Death, ça va être Jaira qui va le lancer. Toi, tu vas lancer plutôt une magie des vertueux. La pétière, une mono de bouclier de protection, gère les pots de fer, et je pense qu'on sera voté pas mal en termes de protection. On va se lancer une rapidité qui va bien, et toi tu pourras lancer une vision véritable. Voilà. Je m'en voudrais de refuser. On tape les bidules. Est-ce que j'aurais pas oublié de tuer vraiment le parasite là-bas? Oui. Oui, je me connais. Oui, c'est parfait, il n'en reste plus qu'un. Ma cage commence déjà à disparaître. Dès que vous aurez exterminé le dernier parasite, je me mettrai à détruire le lien. Vous devrez leur voiter de gagner le cœur de l'arbre où je me tiens avec Irenicus. L'énergie qu'il a puissée dans l'arbre lui sera reprise. J'ignore ce qui résultera d'une telle manœuvre. Peut-être bien périrons-nous tous. Mais John, lui, s'en trouvera affaibli et désorienté. Profitez-en pour le tuer au plus vite. Hâtez-vous d'en finir, je sens que l'arbre de vie se meurt. John est à présent trop près du but. John est sur le point de l'emporter. Thank you.
dernier parasite. Il y a une trop un peu utilisée. Voilà. C'est Tipar. Baston final. Qui coûte Johnny? Qui? Que? Qui ose? Coucou, c'est moi! Tes projets sont ruinés, Hernicus. Je vais te faire chabite et on retouche pas son père. Tu vas mourir ici même. Tu vis encore? Tu n'as plus que quelques fragments de ton âme et tu tentais pourtant me résister? Le pouvoir. Le pouvoir de l'arbre m'a abandonné. Ton petit complot a réussi, insecte. Mais c'est fini maintenant. Je prendrai un immense plaisir à exterminer une vermine comme toi. Et ensuite, je vais rétablir mon lien, m'unir à nouveau à l'arbre. Je trouverai un moyen, j'aurai le pouvoir. Non, jeune Nette, vous n'y parviendrez pas. Qui? Elessim? Oui, c'est bien moi, votre reine. Vous avez tenté de commettre ce sacrilège et manqué de tous détruire. Jamais vous n'aurez l'occasion de recommencer, jeune Lett. Ne m'appelle pas ainsi. J'ai perdu le droit de porter ce nom quand la Seldarine m'a dépossédé de tout ce qui était d'elfe. Tu le sais bien. Coucou. Comment dois-je vous appeler à présent? Irénicus, l'anéanti? Oui, ce fut là un terrible châtiment, mais vous avez souillé tout ce qui nous était cher. Vous avez failli nous détruire tous. Et pourquoi donc? Le pouvoir? C'est tout ce qui vous importe? C'est donc tout ce qui importe à vos yeux, John? C'est tout ce que j'ai, Elessim. Il n'y a rien d'autre que ma vengeance. Ma vengeance pour ce que vous m'avez fait. Ce que la Seldarine m'a fait. Et votre vengeance. Votre soif de revanche a empoisonné votre cœur. Vous teniez pourtant un arbre autrefois, il y a si longtemps. Auriez-vous donc tout oublié? L'amour n'a-t-il donc plus sa place en votre cœur? Notre amour n'a-t-il plus sa place en votre sein? Tout ce que nous avons autrefois partagé, avant que votre obsession ne nous condamne définitivement? Je ne me souviens pas de ton amour, Elessim. J'ai essayé. J'ai tenté de le recréer, de le raviver dans ma mémoire. Mais il est mort. Mon cœur est vide. Pendant des années, je me suis accroché à son souvenir, puis au souvenir du souvenir, et puis plus rien. La Seldarine m'a pris cela aussi. Je te regarde et je ne ressens rien. Je me souviens seulement que tu m'as abandonné, ainsi que tous les autres. Autrefois, seule ma soif de pouvoir comptait. Aujourd'hui, je n'ai soif que de vengeance et je l'aurai. Au fond, je vous plains. Si seulement au cours de ces années volées de mortels, vous aviez tout fait pour mériter votre retour en ce lieu sacré, j'aurais pu vous aimer de nouveau, comme j'ai aimé celui que vous étiez autrefois. Mais de cet homme-là, je ne retrouverai nulle trace. Vous êtes Irénicus, et votre destin est désormais scellé, vous allez mourir. Nous verrons, mon ancien amour. Nous verrons. Kikou! Ainsi, elle va exciter l'un et les autres alors que je suis encore faible. Tant pis, je les écraserai tous s'il le faut. Je garde encore tout pouvoir, Fade. Ton âme vit en moi. Viens pour la reprendre si tu la désires. J'ai assez de pouvoir pour m'occuper de toi. Ton âme est détournée et elle doit nous revenir. Tu es un fléau menaçant la nature et tu dois être détruit. Pour Dinaer et tous nos compagnons tombés, pour ce qui est bon et juste, pour tout cela, Bou et Minsk vont se jeter sur toi aujourd'hui. Et nous boirons la coupe de la victoire, au dieu félon. Nous allons reprendre l'âme de Fade, Irénicus, comme si nous devons l'arracher à ta poitrine. Et tu vas aller en enfer comme tu le mérites. Baston! Que puis-je faire pour toi? Bon. Enchaînement. Jalkales. Puis les autres, vous avez bourré au corps à corps. Blindé, affûté et impatient, Mon premier coup, il est passé en... Ça, c'est un arrêt du temps. Ah non, c'est une pause, pardon. C'était un sort lancé. Du coup, il a un protection. Tu veux lancer un perce magique. On y va? Compris. Qui réclame? Que puis-je faire pour toi? Je vais lancer un fouet de Kelben. Tu vas relancer un perce magie. Et moult projectiles. Je sais pas s'il y a une paille de résistance à la magie. On va d'abord tenter de faire des abaissements de la résistance. Au pire, ça permettra après à Imoen et à lui de le tabasser. Alors, en voilà un... Ça, c'était un arrêt du temps. Ah, cri de la banshee, ça fait chier. Il risque d'y avoir des sorts, il est mort. Par contre, il est en train de perdre toutes ses protections en même temps. Il est collé sur l'ami. Oula, ça pique. Il y a des trucs qui sont partis, ça pique. Oui. Thank you.
On va se barrer parce qu'il y en a deux qui vont. Toi tu vas te barrer. J'ai aussi. Pour le coup le labyrinthe il tombe bien. Toi t'as plus enchaînement mais c'est pas grave, tu as le bourré de projo. Toi, même chose. Est-ce qu'il a pris les dégâts? J'ai pas vu. Est-ce qu'il y a moyen de lui percer ses protections encore un peu? Bah ouais, bref, c'est pas mal. C'est mieux. Bon, il est en train de se faire tabasser en règle. Bisous. Tu m'as tué. Ce n'est pas. Que puis-je faire pour toi? Irénicus s'est défait. Ses paroles se perdent sur ses lèvres tandis qu'une mystérieuse quiétude descend sur les lieux. En vous, le doute s'insinue. Avez-vous les billes bien vaincus? En avez-vous vraiment fini avec cette épouvante? Alors, c'est enfin terminé, toutes ces choses qu'il nous a fait subir? Et c'est enfin terminé? C'est sûr, Fade? Quelque chose ne va pas. Si vous tenez certes la victoire, une question vous hante néanmoins. Que va-t-il donc revenir à ce qu'il vous a dérobé? Qu'en est-il de votre âme? Si je pouvais arrêter de bouffer des dégâts, ça serait bien, merci. Parce que là, on va perdre Jaira pendant la cinématique et ça me casse les burnes. Au fond de vous, un petit quelque chose vous tiraille. Un petit quelque chose qui semble tout droit venu de l'apparition qu'Irénicus a engendrée. La sensation, d'abord légère, ne tarde pas à se faire plus pressante. En quelques secondes, le souffle vous manque. Une force irrésistible vous attire vers le lieu où Irénicus est tombé, car vous demeurez en contact avec l'âme qu'on vous a dérobée. Mais désormais, cette âme n'appartient plus à l'univers des vivants. Libérée dans l'au-delà, votre âme ne vous est pas rendue. Au contraire, elle soigne toujours davantage du monde des mortels et vous entraîne dans son sillage. Exprime ta volonté. Bon. Perdu, c'était pas la fin. C'était la fin pour Golry. La douleur s'apaise, c'est alors que se dresse devant vous l'abomination la plus abjecte qui puisse être. Vos sens n'y résistent pas. Vous voici la proie d'émotions cauchemardesques. Vous avez plongé au cœur de l'enfer, le doute n'est plus permis. Mais peu à peu, vous découvrez que d'autres se tiennent auprès de vous. Il s'agit des camarades dont les blessures infligées au cours de bataille contre Irénicus s'avèrent si graves que leurs âmes, à leur tour, sont entraînées vers les mêmes profondeurs que la vôtre. Sans nul doute, vos camarades souffrent terriblement de leur état. Vous-même ignorez totalement ce que vous faites dans ces lieux. Je me sens bizarre, je me suis senti déchiré, mon essence, je ne sais pas. Et il y avait cette chose, cette force, et je savais que c'était toi. Il fallait que je vienne avec toi, c'est tout ce que je savais. Nous sommes morts, n'est-ce pas? Si j'étais un enfant de Baal, ne devrais-je pas être morte? Tout comme Sarvok? Irénicus a dit que j'étais différente, mais je ne sais pas. De toute façon, je te suivrai quoi qu'il arrive. Mais pourquoi n'ai-je pas suivi Bodhi là où elle est allée lorsqu'elle est morte? À moins que ce ne soit simplement parce qu'elle était une vampire, qu'elle n'avait pas d'âme. Elle est simplement morte, et il ne resterait plus que mon âme? Ou peut-être y a-t-il un rapport avec ta mort près de l'arbre de vie? Je ne sais pas. Oh, une mort glorieuse au combat pour Minskebu. Nous étions en bonne voie pour le champ d'honneur, Eliol de Rachmini, mais nous avons senti que nous avions besoin de nous, Fade. Alors nous sommes venus. Quel est cet endroit? Je suis mort, j'en suis sûr, et j'ai senti quelque chose me tirer, m'amener ici. C'était vous, n'est-ce pas, Fade? Vous m'avez traîné ici dans votre sillage. Je suis habitué à mourir, mais pas comme ça. Ceci est assez inhabituel. La mort m'a prise pendant le combat, et les ténèbres ont gagné tous mes sens. J'ai ressenti comme une traction et je l'ai suivi. Mais quel peut bien être cet endroit? Ce n'est pas fini, n'est-ce pas? C'est la mort, et ton étrange pouvoir m'a retiré ici avec toi. Qu'il en soit donc ainsi, nous attendons ensemble la mort. Oui. Qu'il en soit donc ainsi. Il est des éons par-delà lesquels même la mort ne peut. Tiens, la voix de Jaira dit « Il y a des éons par lesquels même la mort ne peut mourir ». Petite référence à Lovecraft. Il me semble qu'il y a Johnny doit être dans le coin, je crois. Ah non, faut ouvrir la porte.
Et voilà, quel enfer, au sens propre. Que puis-je, m'en voudrais de refuser. La porte est entourée de 5 yeux incrustés dans la roche. Ils vous suivent lorsque vous déplacez, une aura maléfique émane d'eux. Ils sont ici pour garder cette porte et vous devez trouver un moyen d'échapper à leur attention. Oui. Voilà. On est parti pour les épreuves de l'enfer. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Alors je me souviens plus du tout des épreuves. Oh, oui. Donc ça va être la cata. Oh, ça revoque. Ainsi nous rencontrons. Ce lieu de châtiment est notre allée idéal pour un face-à-face. Sarvok ? C'est moi. C'est bien moi, ou un écho peut-être. Mon esprit a rejoint celui de ton père après que tu m'as tué. Mais finalement, tous les enfants de Baal finissent ici. Tu nous as enfin rejoints pour réclamer ton héritage comme j'ai tenté de le faire. Dommage que tu arrives en pièces, faible et pathétique. Ma mort fut bien plus définitive que la tienne. Qu'est-ce que tu veux dire par en morceaux ? Je parle de ton âme. Tu n'es qu'une partie qui est partiellement morte et ton essence n'a pas rejoint ton défunt père. Nous sommes dans son royaume et ton sang domine ici. Mon sang est sous domination. De quoi tu parles ? Ton âme est souillée par ton père, imbécile. Et c'est cette partie qui règne sur ce royaume. Mais tu partages ton âme avec un autre, n'est-ce pas ? Le mage a volé presque toute ton âme, mais pas tout. Vous êtes liés et il t'attire comme lui vers l'enfer. Aucun de vous deux n'est vraiment vivant, ni vraiment mort. Irenicus, tu sais où il est ? Bah ! N'as-tu pas écouté ? Tu as le pouvoir, ici. Déjà tu cherches, et déjà le mage te barre la route. Les larmes de Baal sont ta seule alternative. Les larmes de Baal ? Une larme pour chaque âme assassinée, chaque tourment infligé par ton père. Il les a toutes gardées. Elles font voir le chemin qui mène à ton sorcier, si tu les trouves toutes. J'ai en ma possession une des larmes de Baal dont tu auras besoin. Malheureusement, je ne te la remettrai pas. Tu ne la mérites pas. Tu ne la mérites pas. Ouais. Qui c'est qui parle ? T'es mal placé pour me juger, Sarvoy. Certainement. Je me trouve dans une position idéale. Si les règles de ce royaume étaient miennes, et que je t'eusse transpercé de ma lame aussi facilement que ce putain magicien, les rôles seraient aujourd'hui inversés. Comment tu parles de Gorion ? Ah oui. Donc qui est viré ? C'est pas encore, c'est mon trône de balle. Ah oui, alimente ton impitoyable colère. Je sens la rage qui est en toi. Elle bouillonne dans ton cœur, telle de la lave en fusion. Tu la sens, n'est-ce pas ? La souillure étouffe ton âme, tel un serpent. Elle l'enserre. Il déverse son venin. Cette souillure, cette colère, existe chez tous les enfants de Baal. Mais rares sont ceux qui savent l'utiliser. Tu es devenu le tueur, n'est-ce pas ? L'avatar de feu, ton père, la plus sombre expression du meurtre. Je le lis dans tes yeux. Rassemble ta colère contre moi, si tu en es capable. Il me semble que du coup là on a le choix de se transformer soit en écorcheur, soit de rester sous forme normale. Alors l'écorcheur il défonce Sarvok, easy. Mais il me semble que du coup on passe mauvais si on le fait. Qu'est-ce que tu espères de tout cela ? C'est toi qui m'a conduit ici. Ton pouvoir sur ces lieux a redonné vie à mon esprit. Pourquoi penses-tu avoir fait cela ? Je peux t'apprendre à utiliser ta colère. Tu pourras maîtriser la souillure, la diriger, la concentrer comme tu l'entends. Tu pourras devenir le tueur quand tu le voudras et être l'arme du meurtre comme il était écrit. Pense à moi. Souviens-toi comme j'ai anéanti ton cher Gorio. Comment j'ai pillé les âmes de ton château suif. Rassemble ta rage. Fais ressortir la noirceur de ton cœur. Rassemble ta colère et habite-la. Car si je n'en ai pas capable, tu ne mérites pas ton destin. Ça aurait dû être moi. Ça aurait dû être moi. Attaque-moi, vermine, si tu oses. Cela aurait dû être moi, tu m'entends ? Non, je n'ai pas besoin de la suivre et je ne l'utiliserai pas, je te rebotterai le cul à l'ancienne. Tu n'as jamais été digne du sang de Baal. Et je vais te réduire en poussière ici même. Vas-y, tente ta chance. Ah, tu n'as rien pour attendre. Je ne peux pas venir. Tu piques même méchamment. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Valigar. Oui.
génial. Jaja, tu vas soigner Inst. Bon, avec rapidité, ça me soulève de toute façon. Il cogne dur quand même, le gros. Oui. 20 000 XP et on a récupéré une larme de balle. Je pensais bien. Ah, j'aurais bien aimé récupérer son arme, mais bon. Du coup, je crois qu'on est pas assez bon, même lui. Non, toujours pas outil neutre. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Il me semble que dans les épreuves, il y a moyen de perdre ou de gagner les Karak, mais... Je sais plus si c'est ici ou si c'est dans... 39 balles, dans les épreuves de 39 balles. On peut se reposer tranquillement. Hop. Un point de sagesse, un point de charisme. Bah écoute, je ne vais pas dire non. 14 en sagesse, 15 en charisme. Tranquillou, milou. Continuons. On a combien? On a 30 minutes pour la VOD. Impeccable. On aura largement le temps de se faire les différentes épreuves, je pense. Sauf si on fait de la merde, ce qui n'est pas exclu. L'une des larmes se trouve près de cet endroit. Elle est en possession d'un autre, quelqu'un de puissant, très difficile à vaincre. Toute chose, même la plus puissante, peut être vaincue, n'est-ce pas? Tu as défait de nombreux ennemis dont les pouvoirs n'étaient qu'illusion. Tu les as arrachés à leur trône. C'est quoi le rapport? Ah, toujours, tu as utilisé des bons outils pour défaire tes adversaires, n'est-ce pas? Et je te donne le bon outil pour défaire celui-là. La voici. Contemple l'épée appelée Rasoir Noir. Très puissante, elle est. C'est l'arme dont tu as besoin pour vaincre celui qui possède la larme. C'est à toi de décider, fils de Baal. Comment tu utiliseras cet outil? Je te laisse réfléchir, jeune seigneur de ces lieux. Je sais plus comment aller. Rasoir Noir. Épilongue plus 3. Régénération à 1 PV toutes les 5 secondes. Chaque coup, elle a 15% de chance de drainer 4 niveaux. Et de régénérer 20% de vie, 20 points de vie à son porteur. De l'accélérer et d'augmenter sa force. Autrement, c'est complètement abusé. Mais c'est complètement craqué. Ça tombe bien, on était en train de spécialiser Minsk en épée longue. tiens, même mieux que ça, on va pouvoir la filer à Imoen en attendant. Pif paf ouf. Par contre, je reste à l'arc de Gizen. Que puis-je faire pour toi? Mettons-nous à l'œuvre. Mais il me semble qu'il y a une entourloupe avec l'arme, je sais plus comment ça se passe. Je vois que le chef de ce petit plan vient moi. Mon tourment éternel va peut-être prendre un terme. Peut-être je n'ai plus qu'à espérer. Enfin qu'est-ce que tu dis, hein? C'est vraiment une punition. On m'a amené à ce plan pour prendre l'alarme de Baal et je dois y rester éternellement jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Quelles conditions? Je ne peux vous le dire maintenant, Seigneur. Une des conditions de ma punition m'a interdit de vous en révéler la nature sans faire d'énigmes. Écoutez attentivement. Vous qui détenez la lame du rasoir, forgée du fer le plus sombre, imprégnée de sang et de peur, vous détenez la clé de l'une des gardes de la lame sacrée de Baal. Ouais, donc Rasoir Noir a la clé pour obtenir la lame de Baal. Je ne peux pas répondre à cela, Seigneur. Donc je peux te tuer avec l'épée. Parce que sinon je te la donne. Mais j'ai pas envie de la donner, trop bien. Vous n'avez pas besoin de l'épée pour faire cela. Le fait d'avoir Rasoir Noir est suffisant même si vous ne le gardez pas longtemps. Mais ceci, en effet, serait aussi une libération.
Ouais, j'ai tué. Heureux d'être libéré. Si vous en êtes... Oui, mais par contre, te bats pas, sac à merde. Oh, Imoen, t'es surchargé. Je l'ai pourvu. Tiens, hop, tu as filé ça à Viconia. Hop, hop, hop. Merci de défoncer le génie. Petite brèche. Calme bien ton cul. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est entendu. On va fermer. Fermez la porte. Shut the door. Oui, je m'en voudrais de refuser. Ah. Ouais, alors Razor Honor, elle est cool, mais on passe chaotique mauvais. Du coup, ça me tente moins. Il serait ce qu'il y en a un plus 3. Bah ça y est, tout ça pour tuer un djinn alors qu'on en a massacré des millions. Non, j'aime pas l'idée d'être chaotique mauvais. C'est entendu. Désolé, Capi, hein. Je sais que tu aimes jouer des groupes mauvais, mais... Ouais, ouais, stock avec l'arme de balle, qui sont les conditions, tiens, si je te file le Razor Nard, t'es content. Peut-être serais-je enfin libéré de ce tourment. Ouais, ouais, tiens, prends la lame, je m'en fous. Très reconnaissant de moi. Ouais, mais du coup, je crois que je passe bon. Je choisis entre passer bon et neutre. Mégaliseur, c'est une épée longue, éventuellement, ça peut servir pour. Pour Josette, l'arme de balle, c'est bon. Tu peux récupérer ton épée courte. Du coup. Ouais, c'est ce que je fais pour voir. Mais je pense que là, du coup, je passe chaotique bon. Après, dans la façon dont mon groupe est fait et tout, c'est plus logique que mon perso passe chaotique bon que chaotique mauvais. Surtout depuis les actions depuis le début du jeu. Donc, roleplayment parlant, ça serait pas déconnant. Et je vis Cognac qui va essayer de m'arracher la tête. Je m'en voudrais de refuser. Et je pense que c'est toujours 15 points de... Je sais plus si c'est 15 points de vue ou si c'est pas de chose, tu me prends le coup. Oh oui. T'as pas eu ça. Ça dépend de ce que t'en fais, je pense. Plus 2 tous les jets de sauvegarde. Ah oui. Que puis-je faire? Bah écoute, moi je prends ça. Chaotique bon, c'est mieux. Ouais, je suis d'accord que ça correspond mieux. Et puis, du coup, je change pas d'alignement. Ce qui me va très bien. Bon, le seul truc, c'est que j'ai plus l'épée longue, mais après, c'est une plus 3, donc d'autres 9 balles, elle va vite perdre de son intérêt. Ah, par contre, après, les caracs à côté étaient quand même fumés. Hein. Hop. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Sais-tu, mon enfant, qu'il y a une arme de balle en ces lieux devant nous? Deux chemins y mènent. Deux portes, deux chemins. Et les deux mènent à ton but, oui? Oh, il parle comme les étrangers dans Dark City. Tu as pris beaucoup de décisions au cours du voyage qui a été ta vie, oui. Tu as emprunté de nombreux chemins et ils ont toujours eu un impact sur ceux qui t'entourent. Même si telle n'était pas ton intention. Tel est le sort de ce né avec une destinée. Les conséquences de leurs agissements se répercutent sur tout ce qui est la réalité. Peut-être le sort d'autres ne te concerne-t-il pas vraiment. Peut-être qu'il consulte ton âme. Cela aussi représente un choix. Des agissements, une onde dans le bassin de la réalité. Il dit qu'il ne voit pas le rapport.
Le chemin que tu prendras vers l'alarme touchera quelqu'un d'autre aujourd'hui. Un autre innocent de tes agissements, mais qui en coûtera les conséquences de la même façon. Un de ceux qui voyagent avec toi, qui gravitent autour de ta destinée et est innocent de tes erreurs, fera l'affaire. Souviens-toi, enfant de Baal, une décision doit être prise et tu devras vivre avec les conséquences de tes choix. Je sais plus ce que c'est. Allons-y. Est-ce qu'on peut pas y aller tout seul? Perdu 2 points de vie par bordel maximum. Nous en même temps on s'en fout, on est un mage, ça sert à que de... Ah d'accord, il torture Minsk. Que puis-je faire pour toi? Enfin, il torture. Mettons-nous à l'œuvre. T'en fais pas, gros monsieur, tu survivras. La conséquence de ton choix. Telle est la conséquence de ton choix. Ton compagnon est détruit suite aux actes et aux tentatives que tu as menées. Tel est le chemin de la destinée. Forgé par celui qui était à la volonté de savoir qui sont périlleux. Ouais, mais je m'en fous, je peux le raise. Jalkales. C'est pas comme si j'avais des prêtres. Ah ouais, par contre, je vais peut-être changer d'animal. Oh, j'ai morflé ma race, je m'en fous. Oui. De toute façon, je suis sorcier, tout ce que j'ai besoin, c'est d'avoir moult sorts. Pour un deck, ça sent pas un peu les couilles. On a perdu de l'XP. Oh mon dieu, on est encore que niveau 18. Ah putain, on a perdu un niveau. Ah ça reste. Ah non, on a pas perdu de niveau, pardon. Je dis de la merde. C'est encore enchaînement qu'il y a. Pouf, bon, on s'en fout. Que puis-je faire pour toi? Nope. Du coup là, je crois qu'on passe chaotique. Bon, j'ai pris l'autre option et j'ai raise. Ouais, je vais regarder. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Oui, je pense que raise en fait c'est le mieux, hein, mais... Je m'en voudrais de refuser. Je suis curieux en fait, je sais plus du tout les effets. Différentes portes et les différents trucs. Donc du coup je me dis tiens, on va tester. Attention, vous êtes pas pressé? Oui. Oh oui. Ah, 10% de résistance à la magie, c'est pas mal. Pourquoi t'as perdu de l'XP? Parce qu'en fait, à chaque fois que je passais une porte, je subissais une pénalité. Donc j'ai perdu 2 points de vie max, 1 point de dex et de l'XP. Bon, après, c'est pas des caracs qui vont trop me manquer, hein, j'avoue que... Par contre, 10 points de résistance à la magie, c'est bien. Ça me va. Je prends ça. On va rester sur ce choix-là, ça me va. Hop. L'une des larmes de Baal se trouve tout près d'ici, enfant de Baal. Juste derrière l'une des deux pièces qui s'ouvre à toi. Au cours de ta vie, tu as souvent dû réfréner tes larmes, non? Tu as bravé la terreur qui aurait pétrifié un être moins courageux que toi, et tu as fait preuve de bravoure. Rends-toi dans l'une de ces pièces et ton courage sera mis à l'épreuve, enfant de Baal. J'ai toutefois quelque chose à te donner qui t'aidera dans ta recherche, enfant. Vois-tu, comme tous les êtres doués de pouvoir, ces objets magiques peuvent réaliser beaucoup de choses que les êtres humains normaux ne peuvent pas faire. Comme cette cape, par exemple, faite avec la peau de belles nymphes écorchées. Porte-la et tire parti de ses pouvoirs magiques. Grâce à elle, tu n'auras plus jamais peur. Cette cape t'aiderait à rassembler les larmes de Baal sans jamais perdre ton courage. Je m'incline devant le pouvoir de ton âme divine, enfant, et je t'offre cette cape, si tu l'acceptes. Bah non, je peux prendre une cape faite avec des morceaux de nymphes, c'est dégueulasse. Je n'ai pas besoin d'une cape pour me donner du courage, j'ai juste besoin de boire beaucoup d'alcool. Garde-la et va-t'en. Tu choisis donc de ne te fier qu'à tes propres pouvoirs et à ta bravoure. Comme tu préfères, enfant de Baal. Orbancien. Je méfie à mon pouvoir et au bouclier de Baldurien. Tu l'as prise pour aller avec ton armure de peau humaine. Ouais, d'accord. Kikou. C'est Vicky.
Ouais, il balance labyrinthe et tout, les relous. Ah non, il balance emprisonnement carrément. Que puis-je faire pour toi ? En liberté. Et t'es pas censé revenir à un moment, Joseph ? Oui. Ah, je pense que tu es des. Elle est là, d'accord. Que le meilleur l'emporte. Ouais, ouais, viens. Tu décides. Je ne sers que la nature. Allons-y. Merde. Et l'emprisonnement, c'est une surprise. J'aime pas. Oui. Ou de l'autre côté, c'est quoi, c'est un micro ? C'est quoi la vanne ? Oui. Compris. Évidemment qu'il y a un piège. Tu disais ? Pas trop tôt. Je me voudrais de refuser. Ouais, des propos, why not ? Que puis-je faire pour toi ? Ok, je vois l'idée. Oui. Bim bam. Vous mettez les pieds dans pareil endroit. Compris. De maléfiques forces magiques qui sont attirées, telles des mouches par de la viande avariée. Merci pour cette magnifique comparaison, Valigar, on est très content. Allez, ah, moyenne, j'ai réussi du premier coup la dernière fois, t'as fait pas de dégueu. Ouais, merci. Je m'en voudrais de refuser. Mais du coup, il y a des orbes anciens quand même. J'alcale la confiance et l'apanage des fous. J'allais dire, on va y aller tranquille au milieu, mais ils ont décidé d'être relou, quoi. Donc non. Orbe ancien, orbe ancien, putain, ils sont trois en plus. Que puis-je faire pour toi ? Tu peux pas faire ton invocation de Deva des Chutes, hein ? Tu es censé pouvoir faire ça ? Ah non, c'est dans des sorts niveau 7. J'ai oublié. Oui. Je suis. Je te laisse choisir d'abord ce que tu laissais. Prends-le un de moins. Prends-le deux de moins. Il reste plus que les gods qui sont immobilisés pour aller vite. Je pensais bien. On se calme sur les effets de fin de sort, merci. Enfin, moi. Que puis-je faire pour toi ? Très bien, mais ça nous dit pas où est l'arme de balle. Voilà. Allons-y. C'est bon, c'est récupéré. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Hop. Mettons-nous à l'œuvre. Direction la porte. Et après, il nous restera la dernière épreuve. The final countdown. Tududu. Oui, comme tu voudras. Alors. Immunité contre les armes magiques, plus un. Bah oui. Je dis oui.
Il reste cette épreuve là. Ah, l'enfant de balle vient enfin à moi, pour la dernière larme de balle. Tu es très près de localiser ta proie, jeune seigneur du meurtre. Oui, vraiment. Donc tu vas me dire que Irenicus l'a attendu tranquillement près de son petit thé derrière cette étrange porte. Bien sûr que non, il est rapide, mais tu t'approches très vite de lui. Tes épreuves sont malices, ô jeune seigneur du meurtre. Ton pouvoir est grand ici. Que veux-tu dire? Comment trouve-t-on son âme, enfant de balle? Crois-tu qu'une âme se gagne facilement? Non, tu dois d'abord te connaître toi-même, jusqu'au plus profond de tes passions et de tes vices. Tu dois savoir de quoi tu es capable, ainsi s'ouvrira la voie pour trouver ton âme. Tu te cherches toi-même, ton essence, que tu le saches ou non. Et à cause de ce que tu cherches, tes pouvoirs combattent ceux du mage et se te rapprochent de ton but. Bientôt, tu ouvriras les yeux avec les larmes de balle. Et alors, il y a Irenicus qui m'attendra. Le chemin de ton âme te sera révélé, mais tu ne le percevras que sous la forme d'une porte. Quel dommage que les âmes mortelles ne soient pas capables d'appréhender tous les pouvoirs dont elles sont capables. J'espère que tu as été prudent, enfant de balle. Les neuf enfers sont un lieu de châtiment. Les larmes sont à la fois douloureuses et apaisantes. Mais pourquoi parles-tu de façon aussi mystérieuse tel le père Fouras en mode rouge et grands ailes? Que cela signifie-t-il? Je voile la vérité de mystère parce que mon essence me l'impose, ô seigneur du meurtre. Mais je fais confiance à ton entendement et réponds malgré tout à tes questions. Vous avez bien fait de venir me voir, enfant de balle. Vous êtes le seul à pouvoir vaincre la terrible créature qui détient l'une des larmes de votre défunt père. J'ai entendu le récit de vos prouesses, mon enfant. Très impressionnant pour un mortel. Vous avez réussi à vous débarrasser de très puissantes créatures sans le moindre mal. N'importe quel autre mortel n'aurait pas su monter autant de courage que vous. Vous êtes un maître de la destruction, enfant de balle. Alors, allez-y maintenant et combattez la créature qui vient de la verne. Anéantissez-la et réjouissez-vous de cette nouvelle victoire. Très bien, je lui botterai le cul. Parfait, et en avant, rendez-vous dans la caverne et luttez contre le mal. Emparez-vous d'alarme, que cette créature le veuille ou non. C'est entendu. Bon, par contre, on va se buffer parce que les dragons, c'est jamais de la blague. Pif. En plus, on s'est reposé, on va pouvoir faire des invoques marrantes. Hop. Je crois qu'il est quand même relativement balèze cet enfoiré. Après, avec un peu de chance, on fera un one shot de manière un peu. La Deva, il reste pas très longtemps, donc peut-être pas l'invoquer tout de suite. Exprime ta volonté. Toi, tu vas essayer de te faire tout de suite. Toi, tu vas lancer ton dommage vertueux. Toi, tu vas lancer une harmonie def. Les mages, je vous ai lancé. Toi, tu vas lancer une résistance à terreur déjà, c'est nécessaire. Les mages, c'est la bouclière. Hop, Vicky, tu vas lancer ta convocation de Deva et on va voir ce que ça donne déjà comme ça. Je m'en voudrais de refuser. Petit coup. Que puis-je faire pour tu n'as qu'un mois. Bon bah voilà, ça c'est fait. Hein, c'est encore une fois un combat épique. Il a voulu changer pot de pierre, il s'est pris un coup de vorpal et il est mort. Toute cette préparation pour rien. Un anneau, une drop de mage, une larme de balle, arrêt du temps, créer de la bonne chic et sphère du chaos. L'objet est au sol. Très bien. Un anneau, c'est un anneau 2. Ouais. Drop du mauvais archimage. On a personne de mauvais dans le groupe, c'est ballot. L'arme de balle, c'est bien. Crit de la bonne chic, on le connaît déjà. Arrêt du temps aussi. Visiblement, Imo, il nous connaît déjà les deux sorts aussi. Non. Mais pourquoi je peux pas les écrire? Je verrai bien. Et sphère du chaos. Oui. Mais ce gros couvre-pâle, bah ouais. Par contre, j'ai pas le nom du.
J'ai pas le nom de la personne qui a parlé du couvert pâle, je suis désolé. Il y a un petit problème d'affichage. Ou alors c'est noir sur fond noir. Valerenti, excuse-moi, je voyais pas ton pseudo. Le chat sur téléphone a la bonne idée d'afficher ton pseudo noir sur fond noir. Salut Klusman, salut Valerenti, bienvenue. Bon, vous avez assisté à un merveilleux combat, hein, du coup. C'était impressionnant. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Bah du coup, profitez d'être encore complètement buffé. Reload. Non, j'ai un final à faire. J'ai un boss de fin à finir. Si je puis dire. Reload pour le refaire. Ah, faudra regarder le replay. Bah du coup, on va se regarder puis on va se faire Irenicus. 200 000 XP, changement d'alignement. Chaotique mauvais. Pourquoi chaotique mauvais? Bon, soit chaotique mauvais. Ah, vous avez peut-être moyen de négocier avec lui. Donc écrit que je devais t'humilier une dernière fois. Ainsi, nous allons combattre une dernière fois. Nous ne pouvons plus nous cacher. Bah, buter le dragon, c'est pas vraiment mauvais. Il était là, quand même. Je veux dire, est-ce que c'est pas suffisant? Je vais adorer te détruire, Fade. Mourir ici, c'est cesser d'exister. Je t'ai déjà botté le cul une fois. T'as aucune chance. J'ai autant de chance que toi, Fade. J'ai affronté mes démons, et j'en ai même engagé quelques-uns. Cet enfer est peut-être de ta conception, mais je peux le contrer aussi bien que toi. Cet enfer est le tien, et il te semble horrible car il présente ce qu'il y a en toi. Je te maudis pour me faire subir tout cela, intentionnellement ou non. Tu t'es pas préparé? Bah j'ai encore tous les buffs du dragon, donc on verra bien. Maintenant, bats-toi. L'un de nous n'est pas vraiment mort, et s'il n'en reste qu'un, l'autre pourra être régénéré. Je vais ordonner à cet endroit de te détruire. Ouais, y a qu'une seule issue possible, toi tu meurs et moi je vais mieux. Nous verrons, Fane, nous verrons. Les ténèbres se sont déjà emparées de toi, pauvre fou. Et tu refuses encore de fermer les yeux. Laisse-nous te guider vers ta dernière demeure. Lila hurle pour char. Vous êtes l'incarnation de la famille, magicien. Vous êtes bien pire que la Vogue ne l'a jamais été. Je me battrai contre vous jusqu'à mon dernier souffle. C'est quoi mon perso? C'est un mage demi-elfe. Et oui, je compte faire 39 balles, puisqu'on a commencé dans Baldur's Gate 1. Il y a tout un let's play de Baldur's Gate 1 sur la chaîne YouTube qui doit être en dessous. Et si tu veux suivre nos débuts glorieux. Et du coup, l'intérêt, c'est de faire l'intégralité de la saga avec le même perso. Cessons les platitudes, Irenicus. Tu nous as fait suffisamment de mal. Meurs maintenant une dernière fois. Je commence à être fatigué de crier en combattant ce mage. Bou va en finir une bonne fois pour toutes avec ses globes pierres. Et il ne se relèvera pas. Infamie, goûte à mon épée. Épée, goûte à cette infamie. C'est notre dernier combat ici, en enfer. Nous vaincrons ou nous périrons. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse d'être ici avec toi. Allez, il nous faut maintenant récupérer ton âme. Oups. Ouais, salut, les gens. Hein. Petit con. Protection contre le mal. Ah ouais, oui, passe en écorcheur, comme ça, tranquille. Je suis prêt. On va se faire la petite merdasse à côté d'abord. Jaja, tu vas lancer une vision véritable. Tout le monde a mangé une lampe, c'est pas très cool. Hop, on va défoncer les deux balors. S'éclate, pas vrai. Quelqu'un a monté de niveau. Imoené dans les choux. Fade aussi. Très bien, on a plus de mages. C'est pas grave. Je vois pas ce qui peut mal se passer. Il est quand même légèrement blessé. Je sais pas si t'as remarqué, mais je t'ai fait bobo au doigt. Je suis un dingue. En plus, ce serait jeune, cet enfoiré.
un bon amiral sur mine, ce qui c'est pas cool parce qu'on met 8 ans à revenir. Les autres, c'est vous quand vous voulez pour revenir en combat. Hein. Vraiment, faut pas vous sentir obligé. Allez Valoche, j'ai entièrement confiance en ta capacité à mourir de façon ridicule. Tu ne nous as jamais déçu jusqu'ici. Putain, ils arrivent dans ton flou, en fait, ils veulent cogner. Ah oui, il a un peu plus de trucs aussi. Toi Darth. Non mais allez-y, hein, lancez des sorts de feu. Hein, C'est pas grave. Hein. Par contre, au moment où l'écorcheur va se mettre à cogner pour du vrai, ça va faire mal. Ouais, voilà. Gloup gloup gloup, ça pique. Minsk, ce serait un super moment pour revenir. Et les autres aussi, éventuellement. Je vais soigner. Pif paf pouf. J'ai enfilé quelques-unes de Jaja qui n'a plus rien. Et qui va en prendre une tout de suite. Voilà. Tu fais le deuxième effet qui se coule. Ah, tout le monde est de retour, c'est beaucoup mieux. Du coup, on en est où? Oui, on en est là. Eh ben, enchaîne. C'est Ibar. Rembrech, t'es où? T'es là. On doit avoir des abaissements de la résistance. Je suis prêt. Toi et toi, vous soignez tout de suite. Que puis-je faire? Hop. Un deuxième. Le but, ça va être de baisser ses défenses et puis après de le bourrer. Hein. Tu vas mettre un petit fouet de Kelben. Ça va être. Hop. Je dois avoir un deuxième abaissement en voilà. Perce magie, brèche. Perce magie, vas-y. Hop. Du coup, il est où? Il est toujours là. Bon, on va voir si on peut lui lancer des projets de magie. Parce qu'on en a en stock. Avec un enchaînement et robe de Vecna. C'est la mitrailleuse. Minsk est toujours pas revenu, j'aimerais bien quand même qu'il revienne un moment. Les flèches de Melf aussi, c'est gratos. Ouais, ça pique, hein. Oui. Pourquoi tu ne barres pas de... Ah, bon. Ah, il est en panique. Et on a perdu Valigar, bien sûr, évidemment, le célèbre. Dommage. Dommage, on était bien engagé. Bon, du coup, on va recharger. On va recharger avant le dragon, parce que j'aimerais bien ne pas passer chaotic mauvais. Tant qu'à faire. On va voir, de toute façon, j'ai une sauvegarde rapide juste avant le combat. Je sais, après le dragon. Oui, c'est entendu. Ah non, faut parler au mec d'abord. Est-ce qu'on peut juste lui parler maintenant? Dragon n'a rien à vous dire. Pas très causant. Ah, du coup, on n'a pas de sauvegarde, on n'a pas de dragon. Tant pis. Que votre compagnie commence véritablement tant pis. On va recharger là, puis on va se faire. On va essayer de se refaire Irenicus.
zapper le dialogue du coup. Après, l'alignement n'a pas vraiment de rôle important, il me semble. Donc. Effet pyrotechnique multiple. Il était donc écrit. Ouais, je t'ai déjà vaincu une fois, tu m'as déjà vaincu une fois, c'est match nul. Si tu mourras, vous êtes pas content. Allez! Bon, on va essayer de s'organiser un petit peu mieux. Tu désignes. Que puis-je faire pour toi? Hop. Toi, tu vas tout de suite lancer une vision véritable. Oui. Toi et toi, oui. Vous allez vous reculer. Hop. Toi, tu vas te lancer enchaînement. Et tu vas commencer à les bombarder de sorts pour baisser ses protections. Alors, fouet de Kelben, c'est très bien. Perse magie. Petit perse magie. Deuxième perse magie. Oui. On a des brèches aussi. Allez, petite brèche. Hop. Deuxième brèche. Deuxième brèche. Maintenant, on va lancer des abaissements de la distance. Si j'arrive à arrêter de faire de la merde, c'est bien aussi. Je suis toujours là. Vous y avez bien réfléchi. Pif, paf, pouf, paf, pouf. Mince, qui HS, c'est dommage. Hop. Toi, tu vas lancer ton deuxième abaissement tout de suite. Tu vas penser. Okay. Bonjour. Enchaînement, c'est vraiment de sorte plus cool à jouer. Oui. Et encore là, j'ai pas beaucoup de projectiles magiques, mais sinon, ça c'est extrêmement pratique. Est-ce que je peux, avec Imwen, balancer une dissipation sur Minsk? On va essayer de le sortir de cette torpère. Il a pris cher, le monsieur. Oui. Hop. Vous avez besoin de quelque chose? Oh, ok, tu relances une rapidité. Hein. Ça sert à rien. Imomo, t'as des projectiles magiques à finir. Bon bah vas-y, hein, balance la sauce. Fait, t'as des flèches acides, etc. Fais-toi plaisir. Il a encore sa boîte de pierre. Ah non, il doit utiliser des armes inférieures à plus 5, je pense. Parce que Viconnier, il va lui mettre des points de dégâts. Donc les autres, ils servent juste de red eyes pour se faire défoncer en attendant. Ouais, occupez-le, hein. Il y a du cognac qui paye. C'est inconcevable. C'est pas ton arme qui est efficace. Valigar, c'est toi. Non. T'as encore des flèches acides. Fais-toi saisir. Il a eu un renvoi des sorts. La flétrissure, c'est toujours un mauvais moment à passer. Exprime ta volonté. Oui. Ça touche et ça les fait perdre ses sorts. Oui. Donc là, il est dans la merde.
À moins qu'il y ait une pétrification, cet enfoiré. Oh là là, saloperie. On était bien, on était bien. Évidemment, on n'a pas ce qu'il faut contre ça. Pour déclencher la pétrification, je pense que c'est trop tard. Bon, on va tenter quand même. Oui, c'est trop tard. Du coup, on a perdu Jaira, donc ça me fait chier. Oui. Donc, on va recommencer. Il va nous résister. Après, il y aurait aussi l'option de monter pas avant, ou se lance le sort correctement, etc. Mais bon. C'est donc écrit. Ouais. Arrête du temps, on va enchaînement. Ouais, en plus j'ai un parchemin. Que puis-je faire pour... C'est entendu. Oui. Mais j'ai pas tant de sorts de... d'attaque directe avec. Avec Fade que ça, donc. On peut le faire en ce moment. Alors. Nope. Alors c'est hyper. On n'a pas lancé dissipation de la désavisabilité. Quel con, putain je fais de la merde depuis le début. C'est pas grave, on va faire ça. Mais ouais mais du coup mon. Ah ça sert à rien, quel con. Je fais de la merde. On va faire le ménage. Peut-être sur la base, on va le faire. Petite deuxième pour la route. Je m'en voudrais de refuser. Bon, j'ai fait un petit peu de mal à mes alliés, certes. Parce qu'il est encore là, lui. Bim! Tout ceci n'est qu'une illusion. Le vrai, il est là. Je ne sais que mon effet. Bon, c'est une vision brutale. Oui. Je pensais bien. Non. Alors, attaquez gros monsieur. Toi tu vas balancer ta brèche, tes brèches même. Bim. Petite deuxième pour la route. On fout de Kelben. Imoen, je pense que c'est une ratée. En plus, il est interruptible. T'as réglé le souci d'alignement ? Non. Bon, voilà, il va se faire bolosser à l'ancienne.
Non, bah du coup, on restera quoi, petite mauvaise, tant pis. Oui, bah là, t'es censé être mort, maître. Mec, t'es agonisant depuis tout à l'heure. Ah si, c'est bon. Eh, j'ai une bonne vin, comme. Que se passe-t-il, mes pouvoirs? Je... Non. On va te tartiner? Non, non. Adios, Jojo. Vous revenez enfin. Ah, vous voici enfin. J'ai eu peine à croire la prêtresse lorsqu'elle m'a annoncé que vous étiez encore en vie. Lorsqu'elle m'affirmait que votre... Nous avons ramené à la vie tous vos compagnons, mais quant à vous, rien ne semblait capable de vous ramener rappeler vers nous votre esprit. Nous étions prêts de renoncer quand vous avez commencé à bouger ce matin. Et combien de temps j'ai passé, j'ai ces gueules de bois. Dans l'au-delà, quelques jours, guère plus, vous avez su retrouver le chemin du retour, où l'on ne peut que s'en réjouir. Vous avez rendu à Suldan et Salar un inestimable service. Vous avez sauvé l'arbre de vie, vous avez sauvé et mis un terme à la menace qu'Irénicus faisait poser sur nous. Si la mort avait eu raison de vous, c'eût été une véritable tragédie. Non, victoire pour durer cette fois. Je me suis permis d'organiser une cérémonie afin de récompenser votre bravoure et vous témoigner de votre reconnaissance. Pour les elfes, vous êtes à présent un héros. Ça me fait une belle jambe. Peut-être même êtes-vous en passe de devenir une véritable légende. Mais restons-en là pour le moment. Il faut vous reposer à présent afin de recouvrer toutes vos forces. Une prêtresse viendra vous éveiller lorsqu'elle sera l'heure. Merci, merci. Oh mon dieu, tous ces PNJ réunis. Ceux d'entre vous qui ont survécu au retour de l'exilé à Suldan et Salar me connaissent. Je suis votre reine. Mais certains ignorent l'identité du héros qui se tient à mes côtés et qui a largement contribué à la sauvegarde de notre cité et de l'arbre de vie. Ces actes désintéressés ont bien failli vous mener tout droit à la mort, et peut-être pire encore. Mais vous n'avez pas agi en solitaire. C'est pourquoi Suldan et Salar tient à exprimer aussi sa reconnaissance envers le groupe qui a voyagé avec vous et lutté à vos côtés pour sauver notre cité. Sachant qu'il y a une elfe noire dedans, elle doit être très contente. Vos actes s'inscrivent au-delà de toute récompense. Permettez-nous cependant de vous exprimer nos remerciements éternels et de vous offrir une amulette de la Seldarine. Elle vous rappellera que notre cité vous réservera toujours un accueil chaleureux. Elle a intérêt d'être bien. Quant à celui qu'autrefois nous connaissions sous le nom de John Lett, je ne puis qu'en dire qu'une chose, il est mort. Il y a bien longtemps. Il continue cependant de vivre dans mon souvenir. Quant à celui qui est devenu l'exilé, Irénicus, celui qui nous a fait subir bien les tourments, celui qui s'en est pris l'arbre de vie à son peuple, je ne puis guère que prier pour qu'il trouve dans le trépas la paix qu'il n'aura jamais su trouver de son vivant. Il me semble de mon devoir de vous présenter mes excuses pour son abominable comportement. Pardon pour ce qu'il vous a fait subir à vous et à vos amis. À cause de sa folie, nous avons privé John Lett de son immortalité elfique et l'avons banni. Mais ainsi, nous avons créé Irénicus de nos propres mains. Bande de losers. Nous sommes dans une certaine mesure responsables de ce qui s'est passé. Dans une certaine mesure? Non, complètement. Il me faudra donc méditer ces événements. Quant à vous, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre périple. Nous vous souhaitons bonne chance. Sachez que vous serez toujours accueillis chaleureusement ici. Coucou Johnny. Pas trop une belle fin, non. Mais c'est ce qu'il faut. To end like this. Ah, tiens, ça passe en deux. Gueule de bois pour John, carrément.
Gorion Sword has become too powerful. We should have acted long before now. There is no reason to be concerned. The fate of this fool has been sealed. But can we be so sure? This spawn of Bob is doomed. There is no escape. La suite sera une prochaine fois. C'était Baldur's Gate 2, Shadows of Arn. Et pour la prochaine fois, nous attaquons Trolls of Barn. There is no peace for a child of Baal. You've learned this lesson time and again, as all who are close to you suffer because of your tainted blood. When John Irenicus fell, you had hoped for some sort of respite. But peril follows you like pestilence. The time of the prophecy has come. Five powerful Baalspawn have arisen, leading their armies across the Sword Coast, slaughtering their weaker siblings and innocents alike in a wave of massive destruction. Like wildfire, panic spreads before the armies of the Five, and those suspected of being children of Baal are cast out and revived. Even in Sulden Essalar, unease grows into fear at your presence. Queen Elysium urges you to visit a sacred grove where the ancients might shed light on your fate. You wonder what part you will play in the dreaded prophecy. How long before its culmination devours your soul? Only one thing seems certain. So long as Baal's throne of blood stands empty, chaos shall reign. Trône de Baal est quand même très en dessous. Ouais, Trône de Baal est en dessous, mais ça reste un bon épilogue. Pouf! Allons-y! On va sauvegarder là! Et c'est sur ces quelques mots qu'on va se dire bonne soirée! Hop! On va sauvegarder! Twitch! Très bien! Merci à tous de votre présence! Merci d'être venus pour la fin de Shadows of Amn, Baldur's Gate 2, évidemment! La prochaine fois, on va se faire Throne of Baal, ainsi que la tour de garde qu'on a toujours pas fait. Et on va enfin peut-être arriver au terme de nos deux quêtes que nous avons commencées dans le premier Baldur's Gate, qui c'était bien sûr de récupérer tous les sorts du jeu, et je pense que ça, on en s'approche, et de récupérer, grâce à la culotte dorée et au pantalon d'argent, la grosse machine de métal. Et on va rigoler. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, merci encore d'être venu, et puis des bisous! Salut, salut, salut!